Sébastien, c'est super parce que je savais pas que je jouais de la guitare. Alors là, je l'apprends, du piano, de la guitare. Quoi dire, tu es complet. C'est bien de te voir dans ce registre-là aussi. La semaine dernière sur Dirty Diana, je trouvais que c'était too much. Bah là, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. On t'a pas perdu. En même temps, c'était groovy, c'était sensuel. Et entre... la première chanson et la deuxième chanson, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu deux Sébastien. Voilà, c'était lié. C'est pas incompatible que tu chantes des chansons à grande voix et ensuite des chansons un peu plus groovy et un peu plus sensuelles. Ça marche. Le tout, c'est toujours de pas te perdre là-dedans. Et là, je t'ai pas perdu, donc je te dis top. Moi aussi, je trouve que c'était audacieux et que cette audace te va bien. Moi qui pousse toujours Basilic à aller dans l'audace, dans l'audace, dans l'audace, pour une fois, voilà, vraiment là, ça te va bien. Et c'est un registre qu'on connaissait pas en plus. Et je me disais au départ, oh là là, mais en fin de compte, bravo, tu l'as bien attrapé, bravo, j'ai bien aimé. C'est top. Alors tu dis que je suis une épaule secourable pour toi, mais en vérité, tu en es une aussi pour moi, parce que tu me rassures beaucoup quand on travaille et que je te dis, Sébastien, t'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Non, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, ça me rassure beaucoup. Je suis très content. Alors, je sais pas jusqu'où ira cette aventure pour toi. En tout cas,
dans l'avenir, si, quand tu feras des chansons, j'espère qu'on en fera ensemble, parce que c'est un vrai bonheur d'être pour toi, c'est vraiment. Voilà. Pour que Sébastien fasse partie des trois qualifiés, félicitations pour cette prestation. 36, 60, 72, 600, Sébastien, numéro 3. Applaudissements pour Sébastien, s'il vous plaît.